Adieu, adieu les gens, comment on va? Bon, ça avance, ça avance. Hein? Voilà. On est toujours dans la chambre à mon fils, là, avec la poutre magnifique, le magnifique plafond que je viens de faire, enfin que j'ai fait la dernière fois aussi. Et là, je me suis attaqué à faire la première partie du mur, là-bas. Voilà. J'ai également posé les rails tout le long ici et en bas. Voilà. Enfin, une équerre aussi, hein, parce que faut toujours prendre les outils. Hein. J'avais mon laser et l'équerre, voilà, comme ça. Quand on mettra son bureau dans le coin, ici, là, si un jour on met son bureau dans le coin, quelque chose comme ça, clac, ça va plaquer correctement. Ça va pas faire une fausse équerre ou un truc comme ça, enfin bon, un truc dégueulasse, quoi. Donc là, on s'aide beaucoup de l'équerre également. Hein. On fait pas que au laser et à la mesure, au réglé. Voilà, donc pour varier un petit peu les plaisirs, je me suis déjà fait mes petits boîtiers d'encastrement, hein, là un peu partout, je me suis déjà fait mes petits boîtiers. Donc là, ça sera lumière double, donc un double interrupteur sur le même truc, donc interrupteur intérieur de la lumière qui est juste ici. Je sais pas où elle est. Elle est où? Ah, si, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Juste ici. Et lumière extérieure et lumière urgence. Voilà. Voilà. Là, c'est le volet. Là, on a une prise déjà. Une deuxième prise derrière, juste ici. Et après, le pontage qui va venir se raccorder à l'une de celles-là. Voilà. Bon, en attendant, bah, voilà. Petit coup de ménage aussi hein, sur l'endroit, parce que bon, ça en a besoin hein, de temps en temps. Ça y est, le bordel. J'ai fait aussi un point sur mon électricité. Parce que bientôt, je vais installer ça là. Voilà, tableau électrique. Il n'est pas prémonté, hein. Il est vide à l'intérieur. Voilà. Hein. Je vais bien m'amuser. Voilà pour ça là. Voilà, parce que comme je disais la dernière fois et que j'ai oublié d'expliquer. Donc ici on est donc dans la chambre à mon fils qui est quand même assez claire, assez lumineuse et tout le tralala, hein. On est bien. En sachant que bah, je me mets un peu plus près de l'entrée. Donc ici on a le tableau électrique. Juste ici au niveau du poteau, là va y avoir une porte, forcément la porte à mon fils. Et là, là où il y a mon bras, va y avoir la porte du chiotte. Donc si je cloisonne avant. Eh bien, je peux vous dire que j'aurai plus beaucoup de lumière, hein. Donc je serai obligé d'y aller avec la frontale ou un truc comme ça, puisque forcément je vais éteindre l'électricité. Donc, tant qu'à faire, une fois que j'aurai fini de plaquer ce mur et ce mur, eh bien, je vais m'amuser à faire mon tableau électrique. Ou alors dès que ça me chante, hein, dès que ça me botte. Bon, il me manque que 2-3 trucs à prendre quand même. Il manque 2-3 à prendre. Deux, trois merdouilles qui me manquent comme une broche centrale. Vous voyez, on a les, sur le. On la voit là. Je sais pas si vous Voilà, ça c'est le compteur électrique. Et là, ici, là, il y a une broche centrale qui relie tous les différentiels entre eux. Voilà, c'est ça qui me manque. Il faut que j'aille chercher ça. Voilà, c'est tout bidon. Hein. Mais bon, c'est important pour le bon fonctionnement du tableau. Voilà, les gens. Bon, ben, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et ben, je vous dis donc ben, à dimanche hein, pour de nouvelles aventures. Ouf. Allez, ciao, ciao, les gens.